Et salut à tous, c'est Uzo, on se retrouve pour la suite d'Hitman Absolution. Toujours à la recherche de... Enfin, à la recherche. Toujours obligé de tuer ces bonnes sœurs qui volent notre peau. Et donc, on va la faire d'une façon assez explosive, les amis. Hop, on va se passer par là. Et en fait, c'est à droite, là, juste à droite, il y a des pompes d'essence. On n'est pas obligé de le faire comme ça, mais moi j'aime bien quand ça explose. Et quand c'est discret, tu vois. Donc... Hop, tu enlèves l'essence par là, voilà. Voilà, c'est mieux, comme tu dis. Hop, tu enlèves ici aussi. Et enlève ici. En fait, l'astuce, c'est quand tu sauves le maître d'hôtel qui est buggé, qui va se faire tuer. J'ai essayé de le sauver une fois et en fait, il te dit que les trucs d'essence sont remplis. Donc déjà, ça te donne la petite... ça te fait déjà tilter. Et en fait, ça t'apprend en fait que c'est rempli, du coup que tu peux tout faire sauter d'un coup. Ce qui est notre but en fait, de tuer les deux sœurs jumelles là. Et hop, déjà, on va se le maîtriser avant que la sœur arrive par ici. Ok. Ok, tu le fous dans la poubelle. Ni vu ni connu. Et hop, on prend le petit tournevis. Et normalement, voilà, il y a une sœur qui va venir par ici. On peut déjà se la faire. Ou pas. Non, ça va être chaud. Ça va être chaud, je pense. Ça va être chaud. Alors, elle, c'est Digina Rondonkvik. Ah ouais, donc voilà, il vient de tuer le maître d'hôtel. Alors, le maître d'hôtel, quand il meurt, en fait, quand on touche chauve. C'est un civil, et en fait, dès que tu prends un cadavre, il te repère. Ce qui est complètement bête. Mais bon. On va attendre qu'elle fasse son tour encore. Et ça va être good. Donc là, il vérifie que tout le monde est mort. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est. Boum! Tu vois le petit geste. On en fait tout exploser. Voilà, faut que personne nous voit. Ok, là c'est nickel. Donc faut que la sœur se rapproche de l'autre. Et ça va faire une bonne surprise. Déjà, moi ce que je vous propose c'est que je prenne ça. Okay. Et là, elle va se rapprocher de sa sœurette. Ok, nickel. Voilà, on se fait les deux sœurs et le tout bien correctement, on va dire. Ah, ça c'est beau ça. On va tout de suite trouver celui qui a fait ça. Allez. Pas assez nombreux pour faire une fouille vraiment efficace de la zone. Donc là, on a fait le ménage. J'ai envie de finir dans une embuscade que toi. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'il fait là, ce type? Vous êtes vraiment des corbeaux. Semez la mort où vous passerez. Ok. Waouh, putain, ils font vraiment une ronde. Hein. Pff, oh, j'ai tellement de chat. Ok. Ok, c'est parti. On se casse. Ok, donc ses sœurs c'est fait. Manque plus que deux. Bon, il y en a une déjà là, putain. Dites à vos hommes de fouiller le champ de maïs. Oui, madame. Écoutez, on a ordre de ratisser le champ de maïs. Ça va être chaud, c'est moi qui vous le dis.
Là, c'est la partie un peu plus difficile, on va dire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le champ de maïs. Ni vu, ni connu. Abandonne 47, on sait que t'es là. Ok. Arrêtez ça tout de suite. J'aime pas les bleus. Ok, nickel. Ensuite. En fait, faut qu'on aille rejoindre les deux autres sœurs qui sont un peu plus simples à tuer. Ça va, c'est moi ça. Ok, donc là il y a un truc de soin. Ok, ça peut nous servir. Quoique, un tournevis, c'est bien plus pratique, c'est bien plus discret. Et là on va continuer à y aller. Ah ouais, tu peux te déguiser en... Putain. Ah ouais, tu te caches comme ça en mode... En mode pépère. C'est tellement stylé, mec. Tellement. C'est tellement stylé, Jésus, mec. Ok, bon, on prend un déguisement, au moins on l'a débloqué. C'est le principal. C'est qui ça? Ok. Donc ici, ouais, elle vient ici la meuf. Ok. Déjà, on va peut-être pouvoir se la faire à l'intérieur. De toute façon, je vais la faire au tournevis. Ce sera un bon moyen de l'assassiner. Ok. Hop là. Et non moi. Et le tout. Et le tout en discret. Ok, nickel. Maintenant les deux autres sont là-bas. Ça va être un poil plus dur, je pense. Mais rien d'impossible. Ça fait un peu film d'horreur, hein, cette scène. Normalement, il y en a deux là-bas. Putain, c'est bourré d'aliasing. J'ai de l'aliasing à fond, mais pourtant, il y en a encore pas mal. Bon, passons. C'est pas le plus révoltant dans ce jeu. Surtout que le jeu, il est bien plus beau que... Bah, c'est un des plus beaux Hitman avec le dernier qui vient de sortir, mais... Oula. Merde, il y avait un bout de bois. Je le connais. Ah, il y a du sang qui a été découvert, merde. Change. Suspicieux. Ok, bon, ils ont rien trouvé, c'est cool. Contre os arrangé. Ne bougez pas, restez en position. Ok. Ça va être chaud, mais ça va être chaud, mais c'est faisable. Établissez une ligne de défense. Laissez-le venir. Ok, ça va être chaud là. On finira par l'avoir. On est trop nombreux pour lui. Ok, donc on peut pas l'atteindre. Ça va être chaud. C'est moi qui vous le dis, les gars.
Ok, il va se bouger. Ok, on peut pas le déplacer, c'est chiant ça. Ok. Donc là, on peut essayer d'avoir des gens, mais ici, je pense qu'il doit rien avoir. Ok, ça va être chaud. Il y en a une qui se balade dans... qui se balade dans le champ là. Elle se balade tranquille dans le champ. Vous êtes cerné. Rendez-vous. Et Monsieur Trévis acceptera de négocier avec vous. Je pense pas, non. Je pense pas qu'il voudra négocier avec moi. Oh putain, tu vas me faire buter. Ouais, là j'allais me faire buter. On reprend au point où on prend où on était. On retue la première et on va tuer les deuxièmes tout correctement. Donc là je vais reprendre ma vie. Normal. La première déjà on va la tuer avec ça, voilà. Donc le costume c'est bon, normalement il a été validé. Donc déjà. Ok. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Moi je vais aller dans sa baraque. Ok. Je suis dans sa baraque. On va attendre qu'elle arrive. Et Ok. Hop. On va la foutre là. Nickel. Le tout le plus discrètement possible. Et là on part vers les deux autres qui doivent ne pas être très loin. Rendez-vous. Et Monsieur Trévis acceptera de négocier avec vous. Et je passe pas qu'il souhaite négocier, mademoiselle. Donc il faut que je fasse attention à pas me faire repérer. Là c'est parfait. Ok, je prends son arme pour valider l'arme. Et il y a la dernière qui est juste là-bas. Et qui donc, normalement, est la plus dure à tuer. C'est moi. Bon, par contre, je sais pas comment je vais faire pour monter là-haut. Ça va pas être facile. Donc il y a un os à ronger. Ça va être assez chaud, mais bon. Ça va être chaud. Du coup, j'ai gaspillé toute. Désolé, ma poule. Quoi ? Il a changé de vêtement. Ok. Ok, il m'a trouvé le bâtard. Ok, moi je me fous là.
Ça va être chaud. Bon, je me suis fait repérer juste à la dernière minute. Mais normalement, il ne devrait pas me retrouver là. Ok, bon. Il se met toujours devant la caisse, mais il va jamais buter. C'est dommage, tu sais, qu'ils ouvrent pas. Comme à la Metal Gear, t'es... Coucou. Ah, t'es là. J'ai tué. Ou tu sais que tu puisses sortir des trucs, l'étrangler et le foutre dedans. Ça, ce serait pas mal aussi. En tout cas, là, j'ai fait... je l'ai tué. Normalement, ça leur est suffisant. Mais je suis pas sûr. Bon, là, ils sont en chasse. Ils vont me chercher encore pendant un moment. J'ai tué les trois, en tout cas. Deux, sérieusement. Une, au flingue, parce que j'étais obligé. Mais... bon, si celui-ci peut se casser, déjà, ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Bon, ça va prendre trop de temps là. Bon. Ok, désolé mon pote, mais tu me faisais perdre du temps. Ok. Voilà. Normalement, c'est bon là. C'est terminé. Mon Dieu, 47. Travis. J'avais confiance en vous. Vous aviez une mission et vous avez trahi l'agence. Vous m'avez humilié. Ah, ça c'est simple. Ça c'est cool ça. Suivant. Donc j'ai été un caméléon les gars, les amis. Assassin silencieux, cible éliminée. Voilà, une sorte d'ombre hein, si on peut dire. Ouais, ombre, exactement. C'est pas mal, on a bloqué pas mal d'armes. Ouais, on a débloqué, ouais, les armes d'agence, ça c'est pas mal à débloquer. L'éventail et tout ça. C'est pas mal. L'ange de la mort 2, l'ange de la mort. Ah ouais, d'accord, il y avait différentes façons de l'attaquer. De les tuer en fait, ça c'est bon à savoir. Ok. Et on va s'arrêter là pour cet épisode d'Absolution et on se retrouve rapidement pour.